cyberespace. Technologie, actualité numérique, réseaux sociaux, digital. Une Algérie 2.0, cyberespace sur Algérie 3. On parle innovation avec Samy Aloun, bonjour. Bonjour Hakim, bonjour Soraya. Bonjour Samy, dans l'épisode de Cyberespace d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la stratégie de développement technologique du secteur de l'enseignement supérieur à travers l'élaboration d'un agenda stratégique dédié qui s'étend à l'horizon 2030 et qui sera dévoilé en mars prochain pour donc à la fois donner plus de visibilité à la recherche scientifique algérienne qui mise sur les talents et compétences des chercheurs pour passer à l'étape de fabrication à commercialisation. Les compétences algériennes en cours de formation ou de recherche dans les universités des quatre coins du pays ont, à maintes fois, démontré leur savoir-faire en termes d'idées innovantes, d'élaboration de projets qui visent à répondre à des problématiques constatées dans de nombreux secteurs. Les chercheurs, appelés à partager leur expérience et leur point de vue pour l'élaboration de ces stratégies qui reposent sur 6 priorités, des priorités en rapport avec les exigences de la société et aux défis auxquels est confrontée l'Algérie nouvelle en termes d'infrastructures numériques, de technologies, de pointe capable de renforcer le tissu industriel du pays, veiller par la même occasion à donner plus de visibilité à la recherche scientifique algérienne dans les quatre coins du monde. Une recherche scientifique qui a notamment aidé beaucoup de chercheurs et d'étudiants à confectionner, à fabriquer de la technologie ou à prototyper de nombreux concepts, des maquettes en rapport avec la robotique, l'internet des objets ainsi que d'autres croquis qui, une fois développés, testés et approuvés, pourront grandement contribuer à la modernisation de différents procédés au sein de l'industrie, de l'agriculture, de l'énergie ainsi que d'autres domaines. Il est question pour le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique Kamel Badari de passer à la phase suivante pour les centres de recherche scientifique, soit passer de la phase de recherche et développement à la phase de fabrication et de commercialisation à travers la création d'unités dédiées en plus des unités déjà existantes. L'écosystème start-up tendance auprès des étudiants a permis à beaucoup d'entrepreneurs en herbe de tenter leur chance de prendre des idées qui répondent à des problématiques et de les développer, surtout avec l'adoption de l'arrêté 1275, donc un diplôme, une start-up ou encore un diplôme, un brevet d'invention. En quelques chiffres, c'est pas moins de 1400 brevets qui ont été enregistrés. Les étudiants, à leur tour, essaient de concrétiser leurs idées à travers les 98 incubateurs d'affaires, 27 maisons d'intelligence artificielle, ainsi que 102 centres de développement de l'entrepreneuriat sur l'ensemble du territoire national.